Ce vendredi, qui marque le quatrième jour d'une trêve en vigueur jamais respectée, les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide font rage au Darfour, région de l'ouest du pays. Particulièrement touché, El Facher, chef lieu de la région du Nord-Darfour, a été le théâtre de très violents affrontements où toutes sortes d'armes ont été utilisées. Des affrontements sporadiques ont également éclaté à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide au cours des dernières heures, ce qui a brisé le calme fragile dans la capitale. La situation semble s'enliser davantage et les deux camps qui se rejettent la responsabilité campent sur leur position. L'armée soudanaise a d'ailleurs appelé les retraités de l'armée à rejoindre rapidement les casernes pour y être armés afin de renforcer les rangs. Ces violences interviennent quelques heures après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a annoncé dans un communiqué conjoint que l'Arabie saoudite et les États-Unis notaient une amélioration du respect de l'accord de cessez-le-feu à court terme et des arrangements humanitaires au Soudan. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont appelé les parties au conflit à respecter leurs obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services de base. L'accord de cessez-le-feu est intervenu après des pourparlers à Jeddah, négociés par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Cet accord prévoit de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, jusqu'ici impossible, car aucun corridor humanitaire n'a été sécurisé. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont exacerbé la crise humanitaire contraignant plus d'un million de personnes à fuir leur foyer. Le département d'État américain a déclaré que le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Soudan avait détecté dès mercredi passé des violations de l'accord du cessez-le-feu, notamment l'utilisation d'artillerie, d'avions de combat et de drones.